J'étais donc là, un enfant moyen dans une ville moyenne. La ville était coupée en deux par une jolie rivière, se jetant plus loin dans la Loire. Des deux rives, la gauche, avec son petit port et son quai de la Savate, était la plus sympathique. Non loin du port, ma grand-mère avait tenu une boutique pour oiseaux. Elle vendait des oiseaux et des cages, on m'avait raconté ça. Mon grand-père s'occupait des fossés du château, en contrebas des tours. Aimer les fleurs et les animaux, c'était son métier. Aimer les oiseaux, sa passion. Son truc, c'était les canaris de posture, des titres de champion de France d'élevage d'oiseaux en avalanche. Ça ne payait pas le loyer, mais cela faisait rêver la famille, c'était assez. Nous habitions là, ma mère, mon frère G et moi, depuis le divorce de mes parents. Mon père vivait ailleurs, pas très loin. Le 43 était un foyer social que l'État mettait à disposition des familles démunies. Un bâtiment rempli d'histoires de tous les horizons, où les boîtes aux lattes débordaient de courriers froids que personne ne voulait ouvrir. Chaque après-midi, je croisais M. Jacques en rentrant de l'école. C'était un homme au dos voûté, qui occupait un appartement au rez-de-chaussée. Son ventre débordé de son jogging, ses longs poils masquaient sa peau noire et ses mains enflées trahissaient la colère qui l'habitait. Originaire du Malawi, il avait laissé sa famille derrière lui et n'avait pour compagnie que sa télévision, fidèle et constante. Monsieur Jacques n'avait jamais trouvé d'emploi en France et avait dû, pétri de honte, laisser s'envoler ses rêves de vie meilleure pour sa famille. Tout le jour, au même moment, il sortait la fenêtre, la tête par la fenêtre comme pour surveiller la rue. Il demeurait silencieux, se contentant d'un simple « Salut petit gars !» Une des rares fois où il m'a adressé la parole plus longuement, ça a été pour dire « Les garçons comme toi n'ont rien à faire ici. » Puis, il a retenu un rot, rentrant son menton dans son cou. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Il était évident que ma place était là, au 43 boulevard Gaston Ramon. Dans l'immeuble, le malheur était repérable à un habit décousu, à un chiffon sur la tête, du vin au carton ou un vieux sac plastique. Il était dans les doigts gelés et sous les paupières lourdes, dans les regards posés par terre. Juste après bonjour, juste après bonsoir, juste après rien d'autre. Il fallait le regarder le moins possible dans les yeux. Dire bonjour, dire bonsoir. Oui, mais à voix basse, à peine audible. On se faisait chaque jour un peu plus taiseux. Cette France pauvre restait muette. Le 43, un phare pour les âmes égarées de la société, ouvrait ses portes à ceux qui avaient bravé les tempêtes de l'existence. Notre appartement se situait au deuxième étage. Là, un salon cuisine. Ici, une chambre. Plus loin, une salle d'eau. Les toilettes, comme d'habitude, au fond à droite. Une petite fenêtre nous éclairait le matin, puis l'après-midi, la chambre plongée dans l'obscurité. La cuisine était notre sanctuaire, un lieu de rassemblement. Nous avions trois tabourets et on ne changeait que très rarement de place. Chaque soir, nous savourions les délices préparés par notre mère. Il faut dire que nous n'étions pas difficiles. Il ne fallait pas aggraver la situation. Dans la chambre, nous avions des lits superposés. G m'avait demandé la place que je voulais avoir. Je lui avais dit « Celle du haut, s'il te plaît. Je sens que je vais mieux dormir. » Il me semblait qu'au plus haut, j'allais forcément rêver plus longtemps, ou plus grand, ou plus loin. Je rêvais d'un monde protégé, un monde vivant, plein d'espoir, plus proche du ciel et de mes rêves. Mais j'étais là, au foyer. Une nuit, en bout de course d'un saut de carpe pour éviter mon camp Playmobil, ma cheville avait tourné comme une toupie. J'avais poussé un cri de douleur, suivi d'autres que je m'efforçais d'étouffer.
Le sol était instable, à l'image de ma courte vie. Mon frère s'était écrié, « Anatole, va pisser et dors, tu pourras toujours crier demain. » Avait-il déjà apprivoisé la souffrance? Habitait-elle en lui? Pouvait-il la dominer jusqu'à la remettre au lendemain? Il fallait au moins la faire taire. J'ai aimé l'échange, discuter, lancer des vannes, rire, chambrer les autres. J'étais un enfant plus calme, plus discret aussi. Nous formions un duo parfait, sauf à l'école. Je le regardais de loin, lui, non. Après tout, c'est normal. À cet âge-là, les grands n'adressent pas la parole aux plus petits. Alors, j'observais ses faits et gestes pour pouvoir les reproduire. Avec G, nous avions compris dès la cour de récréation que, pour avoir notre place dans la société, il fallait être aimé et respecté. Nos amis, ceux de l'école, avaient de grandes maisons avec d'immenses jardins pour fêter leurs anniversaires. Nous, avec nos 20 mètres carrés, nous étions au bas de l'échelle sociale. Il fallait donner le change. Chaque mercredi, on dormait chez notre père. Il venait nous chercher à l'école. Nous avions honte. Et moi, j'avais honte d'avoir honte de lui. On priait pour qu'il ne soit pas en tongs en plein hiver. Mon père détestait porter des chaussures. Il préférait sentir l'air frais sur ses pieds. L'école l'oppressait. Avec une paire de ciseaux, il s'amusait à redéfinir les contours de ses t-shirts et de ses pulls toujours trop étriqués. Peut-être que ça répondait à ses rêves de liberté. Ni chaussures, ni chaussettes, ni montres, ni bijoux, ni l'étiquette d'une marque quelconque sur ses vêtements. Ses jambes fragiles et étrangères au monde du sport se découvraient au regard de tout un chacun. « T'as vu, il y a un clochard devant l'école », me disait Dorian. « Non, c'est mon père. » Deux mois plus tard, pendant la récréation, j'avais fini par frapper Dorian d'un coup de poing dans le ventre. Mon cœur tambourinait contre ma poitrine avec une intensité inhabituelle qui semblait vouloir le faire sortir de mon corps. Les battements s'accéléraient et mes mains tremblaient de nervosité. Je découvrais la chaleur de la violence. Dorian pleurait de douleur et j'avais envie de pleurer avec lui. Dans l'ombre du quotidien, mon père, homme de peu, savait trouver la lumière. Il nous faisait sourire, même sans argent, car il avait l'imagination d'un enfant et la créativité d'un artiste. On s'émerveillait de ses jouets si simples et pourtant si précieux, et mon père nous observait avec ses yeux d'amour. En ce temps-là, mon père vivait dans un squat sur une grande avenue, dans un quartier populaire un peu au nord de la ville moyenne. Il avait eu vent de tuyaux. Le tenancier d'un bar s'était mis une balle dans une des chambres au-dessus de son commerce. La faute aux affaires qui dégringolent. Le pauvre type était alcoolo et dépressif. Rien n'était officiellement déclaré, et mon père avait la certitude que le mec ne reviendrait jamais. En réalité, la menace planait. Un nouveau propriétaire pouvait prendre possession des lieux et nous expulser, comme on jette un meuble qui ne sert plus à rien au coin de la rue. Les squatteurs sont des marginaux. J'étais un des leurs, j'ai aussi. Nous étions là, chaque mercredi, dans un squat, avec un bar au rez-de-chaussée, deux étages, un garage, une grande cour avec un bassin et des poissons. C'était un bon plan. Après avoir changé quelques serrures et s'être débrouillé je ne sais comment pour remettre l'électricité, mon père s'est installé dans le duplex qu'il appelait le squat de luxe. Et on y était heureux. Après le dîner, mon père jouait de la guitare, puis lançait des dés une partie de la nuit. Les cubes roulaient et rebondissaient sur la table. Le geste était répétitif. Ça l'aidait à réfléchir et à composer. Allongé sur mon matelas, les yeux clos,
J'écoutais les accords de guitare de mon père qui résonnaient dans notre chambre tapissée de posters. Le son m'empêchait de trouver le sommeil, tout en me rassurant. Je savais qu'il était là, avec moi, même dans l'obscurité. Quand nos parents se sont séparés, j'avais 5 ans, mon frère 8. Il était conscient de la dégringolade. Ça avait été un truc soudain, plutôt brutal, comme un accident affreux mais dont on ressort indemne, physiquement en tout cas. J'étais le dernier symbole qui avait uni mes parents. Ils s'étaient rencontrés rue Ganneron dans le 18e arrondissement de Paris, un jour de décembre 1982. Mon père la demande en mariage comme on demande un chewing-gum, une évidence. Et ils décident ensemble d'une date, 1er avril 1983. 3 mois qu'ils se connaissent. Ils choisissent la mairie du 18e. Il n'y aura pas d'église, pas de dîner, pas de fête. Il n'y aura personne à part eux et 2 témoins. C'est dans un paquet de lessive en poudre Bonux qu'ils trouvent leur alliance. 2 bagues en plastique. Bleu pour mon père, rouge pour ma mère. Tout se passe bien. Ils se sont dit oui, ont passé les alliances en plastique à leurs doigts et sortent avec un livret de famille sur lequel j'ai et moi avons chacun une page. Du matin au soir, la musique de mon père nous accompagnait. Je me déplaçais en rythme. Ma mère attrapait mes mains et les faisait bouger dans tous les sens. Le salon se transformait en scène mondiale. Mon père et j'ai nous regardaient, le sourire aux lèvres. Ma mère aimait qu'il y ait du monde à la maison. Le soir, à l'heure des apéritifs dînatoires, les verres s'entrechoquaient et les discussions étaient joyeusement animées. Je n'ai aucun souvenir de cette vie-là, seulement des vieilles photos en haut des étagères, abîmées par la poussière et les regrets. À tout jamais, je me rappellerai quand on manquait d'argent, que je voulais rouler loin de ma ville, apprendre sur la banquette arrière et le siège avant. Vivre au foyer, voir tout qui s'écroule alors que j'étais jeune, que j'avais rien demandé. J'ai vu les emmerdes qui déboulaient. J'ai vu mes parents faire des sacrifices, la honte les envahir. Les autres changer de comportement, ils n'avaient rien à dire. J'ai grandi en me disant qu'un jour je me vengerais. Des euros par millier quand dans la rue je descendrais. Régler mes comptes avec le monde entier, parce que là on t'ouvre les bras, où sont les braves qu'auraient pu nous aider. Moi je laisse personne entrer dans ma vie, quoi qu'il arrive en vrai. Je suis très peu récompensé, c'est rare que j'ose danser. Avec la solitude, on s'entend si bien. Des nuits noires et des jours gris, ambiancés par le Transilien. Je respire la nuit quand y'a plus personne dehors. Quand les gens heureux respirent corps contre corps. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais où je vais. Rien n'est jamais trop simple quand on a peur d'étouffer. Si tu savais d'où je viens, tu comprendrais que je m'en vais. Je m'en vais, personne m'a ramené le soleil quand dans ma vie il neigeait. Je m'en vais, je m'en vais. Ouais, je me suis fait seul contre le courant, je nageais. Quatre années de foyer social avec ma mère et mon frère, avec Monsieur Jacques. Pendant toutes ces années, ma mère préparait notre départ du numéro 43. Chaque jour, elle s'habillait pour affronter le monde, camouflant avec habileté la tristesse sur son visage. La douce mélodie qui emplissait notre grande maison avait cessé, tout comme les pas de danse et les sourires radieux. À la place, les pleurs de ma mère. Chaque fois, j'étais envahi d'une tristesse infinie en entendant ses sanglots étouffés. La porte de ma chambre close, je laissais ma voix s'élever jusqu'à atteindre le point le plus proche de ses larmes. Le mois d'octobre sonna la fin d'une chose et le début d'une autre. 4 années à réinventer ma propre enfance à force d'imagination. Cette imagination débordante était un défaut pour certains, à l'école par exemple.
Je laissais mes pensées s'envoler vers la fenêtre, vers les oiseaux dont j'ignorais le nom, vers le coton des nuages qui dessinaient des montagnes ou des fantômes. Grâce à ça, j'avais aussi, d'une certaine façon, idéalisé notre situation. Finalement, les 20 mètres carrés nous avaient liés, collés serrés, comme des prisonniers dans une même cellule. Ma mère n'avait ni lit, ni chambre, rien qu'un bout de canapé. Je dormais au-dessus de mon frère. Nous n'y avions pas eu le choix. L'histoire nous avait rapprochés. Nous sommes montés dans la Kangoo jaune. Les vitres baissées, ma mère roulait vers un ailleurs. Mon frère, assis sur le siège passager, faisait défiler les stations de radio. Dans les rétroviseurs, le foyer s'éloignait. Ma mère tenait le volant d'une seule main. Elle balançait la tête sur les good vibes de Bob Marley. C'était un peu la Jamaïque dans la Kangoo. Large sourire aux lèvres, cheveux afro, robe colorée, peau réglisse, fruit d'un métissage entre un père guadeloupéen et une mère normande, elle avait gardé la silhouette de sa jeunesse. Nous avons pu quitter le foyer parce que ma mère avait repris ses études. Elle se battait comme une lionne. Impossible de l'imaginer se ramollir. C'était une ancienne chanteuse. Une femme pleine de vie et de rêves. À l'âge de 14 ans, Jay avait décidé de plaquer le collège, sauvagement. Assis derrière une table toute la journée, il se sentait prisonnier. Je lui en voulais. J'avais besoin d'une vie normale. Ma mère se sentait désarmée. Ce n'étaient pas les arguments qui lui manquaient, mais Jay ne voulait rien entendre. Il n'irait plus en cours, un point c'est tout. Mon frère, capuche noire sur la tête, ne sortait plus de sa chambre. La peau sur les os, son corps exprimait son mal-être. La vie au dehors n'existait plus. Puis, il s'est essayé à l'écriture, couchant sur un carnet ses émotions les plus fortes. La haine, la colère, la rage en lui. Lorsque j'approchais, en silence, apportant le repas que notre mère avait préparé, je découvrais ses écrits écrits sur la table basse. Le carnet semblait saigner des mots noirs, comme s'il ourdissait une forme de vengeance contre une société qui le rejetait. La décision de G était irrévocable, rien ne pouvait le faire changer d'avis. La ville moyenne était devenue trop petite pour lui. G m'avait fait un check de l'épaule, puis avait attrapé son sac à dos. Entre nous, les déclarations d'amour, les signes d'affection et les câlins étaient rares, remplacé par ce mouvement viril. J'ai embarqué dans le premier TGV, un jeudi. Ma mère et moi l'observions depuis le quai. Le visage collé à la vitre, il semblait perdu dans ses pensées. Les écouteurs enfoncés dans ses oreilles, je pourrais parier qu'il écoutait du rap. Plus je grandissais, moins l'alcool m'intéressait. Faire le pitre en classe ne me procurait plus assez d'adrénaline et trop d'heures de colle. Il me fallait franchir une nouvelle étape, dans la rue. Les premières bastons, et puis les vols dans les magasins, guidés par Joris, expert en la matière. « Courez, courez les gars, on nous a vus !» Ah, ce sentiment d'être libre, d'être fort, d'être courageux, alors que nous étions 5 gamins perdus, en manque d'amour et de repères, à chercher leur équilibre sur un fil, prêt à se rompre à chaque instant. Je rêvais d'un autre monde, mais j'étais là, au commissariat, collégien et déjà menotté. Nous habitions toujours le fameux squat, de matelas au sol dans la vaste chambre sous les combles, le mien,
et celui de G. Ce jardin était pour moi un refuge, loin des tourments, loin des erreurs que j'avais pu commettre. Par beau temps, mon père plaçait une table, entourée de chaises en plastique, à l'ombre d'un arbre. Il me servait alors une limonade rafraîchissante, sa boisson favorite. Les pieds sur la table, décontractés, il aimait à répéter « On n'est pas bien là ?» Et c'était vrai, nous étions parfaitement bien. Puis, il grillait une clope et se mettait à observer les oiseaux. Sans doute pensait-il à son père. Un jour, un homme en costume a pénétré dans mon jardin. En réalité, c'était son jardin à lui, le fils du propriétaire décédé. Il se tenait comme un soldat au garde-à-vous, le dos aussi droit qu'un poteau téléphonique. Je ne sais pas qui était le plus surpris de voir l'autre. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il dit, les yeux écarquillés. Les miens l'étaient aussi. « C'est qui ce mec, papa ?» Mon père a aussitôt retiré ses pieds de la table. Il a entraîné l'homme au costume à l'écart, assez pour que je n'entende pas la conversation. Les discussions qui nécessitent qu'on s'isole font toujours flipper. Après une longueur, ils sont revenus en rigolant. Mon père avait le don de toujours s'en sortir avec humour et gentillesse. Quand est arrivé ce jour, celui dont on se souvient longtemps, un dimanche matin, je crois. Mon père avait pris un air détaché, mais à sa façon de tirer sur sa cigarette, il y avait quelque chose d'étrange. Il avait commencé par « J'ai un truc à te dire », et ce truc semblait mystérieux. C'était sa première cigarette après son premier café. Et comme mon père n'aimait pas parler le matin, ça forçait l'écoute. « Bon, ton frère et toi, vous êtes partis de la maison. Vous commencez à tracer votre propre route. J'aimerais tracer la mienne. Je vais partir moi aussi. Aller en Afrique. Vive là-bas. » Là-bas, c'était la République du Congo. Là-bas me semblait loin. Il m'avait laissé l'occasion de dire « Oui, ça me dérange, ne pars pas. » Je ne sais pas si j'aurais souhaité avoir une famille conventionnelle, ni même si je sais vraiment ce que ça veut dire. Mais mon père allait manquer, c'était une certitude. J'aurais voulu que les moments avec lui durent éternellement, voir ses longs cheveux gris dans le vent de la ville moyenne encore longtemps, contempler ses mèches teintées de jaune, tout comme le bout de son index et de son majeur, avec lequel il tenait ses cigarettes. Nous nous sommes regardés avec ses fameux yeux d'amour. Puis, il a enlacé mon corps, j'ai enlacé le sien. Notre famille s'était dispersée comme les fragments d'un puzzle. Ma mère restait dans la ville moyenne, j'étais dans la capitale, je partais dans une commune fleurie, et mon père au Congo. Mes parents étaient toujours sur la même longueur d'onde à ce sujet. Les deux frangins devaient entretenir une bonne entente. À l'approche des grandes vacances, ma mère m'avait lancé un « Va retrouver ton frère, ça vous fera du bien, et sois sympa avec lui. » La beauté dans la famille, c'est précieux. Et le précieux, ça se préserve. Alors j'avais foncé. J'ai s'était dégoté un nouveau boulot, vendeur de vin. Notre mère lui avait obtenu une dérogation pour vendre de l'alcool malgré ses vertes années. Ça lui foutait autant les boules que son taf de libreur. Sans musique dans les oreilles, c'était même encore pire. J'ai travaillé en chemise, les boutons noués jusqu'à la gorge. Rien qui lui ressemblait. Dans la journée, il écoutait des bouteilles de vin. Et une fois la nuit tombée, il rappait. Le quartier était devenu son quartier, comme s'il y avait toujours vécu. Dans ce nord de Paris, au milieu des épiceries africaines, il y avait du bruit dans tous les sens. Les sirènes de police, les klaxons, les vendeurs de téléphones, les coiffeurs. Des milliers de langues qui tenaient quasiment tout le même discours. Faire de l'argent, s'en sortir.
Au bout de la rue, une zone de deal où on vendait du crack. On reconnaissait les dealers aux brûlures et aux plaies qui craquelaient le bout de leurs doigts. 5 euros la dose, la drogue du pauvre. J'ai passé à côté d'eux chaque soir, marchant au rythme de sa musique. Il restait fidèle à son quartier et le revendiquait dans ses lyrics. C'était là qu'il avait trouvé son univers et ses poteaux. La province où nous avions grandi était désormais loin derrière lui. Un souvenir qui s'effritait avec le temps. Il vivait dans une chambre de bonne perchée au dernier étage d'un immeuble. 7 étages sans ascenseur. Les toilettes étaient sur le palier. La douche était comme une boîte étroite. Il fallait se baisser un peu à cause de l'inclinaison du toit. Dans la chambre, on ne pouvait guère bouger sans toucher les murs. Mon frère devait se tenir recroquevillé, la nuque penchée sur le côté gauche lorsqu'il lavait la vaisselle. Le pire, sous les toits, c'était l'été. Une chaleur à crever. Dehors, c'était les open mic, devenu un rituel pour mon frère et ses potes. Jogging et casquette, parfois capuche sur la tête. Sa bande arpentait Paname en quête de scène. Aux open mic, j'étais souvent le plus jeune, ou celui qui se fondait dans l'ombre. D'une certaine manière, mon frère parlait pour nous deux. C'est peut-être pourquoi je plaçais tant de foi en lui. Pour G, le rap était son crack, sa drogue dure, son addiction. On aurait dit qu'il ne vivait que pour ça. Il en avait besoin pour se sentir exister. Il avait besoin qu'on l'écoute, qu'on le comprenne, qu'on sache que, malgré l'enfance qu'on avait vécue, on était bien vivant. Une fois le mois d'août terminé, j'ai pris la route avec ma ventoline, mon sac à dos et j'ai à mes côtés. Sous les ponts, on passait devant les migrants allongés sur des matelas jaunis par la saleté de la rue et la pisse des rats. Certains avaient des tentes déchirées. Tous semblaient crever de faim ou de fatigue. Leur corps avait pris la forme des trottoirs. J'ai me disait que pour certains enfoirés, il était plus facile de les voir comme de simples statistiques. J'essayais de suivre le pas, mais le bitume semblait lui brûler les pieds. Il a saisi ma main, l'a serrée fermement, rapprochant son corps du mien. Puis, il a replacé ses écouteurs, a pris une autre direction. Sûrement la direction des ponts tragiques et la rue du crack. Plus spirituel que scientifique, plus littéraire que mathématique. C'est pas à l'école que j'ai appris à vivre. Je me suis identifié mais pas dans les livres. Plus spirituel que scientifique, plus littéraire que mathématique. C'est pas à l'école que j'ai appris à vivre. Je me suis identifié mais pas dans les livres. Plus d'un an que je suis seul, abandonné comme ma classe sociale. J'ai lu un tas d'ouvrages, ils parlaient pas de nous. Ouais, comprends que j'ai besoin du rap, mais y'a trop de jaloux. Ils taffent pas comme moi, sacrifient pas comme moi, n'aiment pas ça comme moi, voudraient de l'argent comme moi. Sérieux, je comprends pas. J'ai compris trop vite les valeurs du travail. Savoir se lever malgré des rêves brisés, pas finir sur la paille. Et j'écris ça, j'ai les larmes aux yeux. Je pense à mes proches qui donnent tout leur temps pour vivre correctement, remplir leur sacoche et ça légalement. Ce qu'on raconte dans les chansons qu'on aime, le terrain, la bibi, c'est rarement la vraie vie. À 20 ans peut-être que t'as le monde à tes pieds. À 25 il est déjà en train de t'écraser. Soit tu te plains et tu trouves des excuses, soit t'acceptes ton sort, t'en fais deux fois plus. On a peu d'exemples qui sont mis en lumière. Et quand ils le sont, ils vendent leur âme au diable. On se reconnaît plus, les traits de vendus. Derrière l'impasse, y'a peut-être une avenue. Y'a le boulevard des projets, des étoiles à décrocher. Je repense à Diaby, au tripostal, au taf de nuit quand on était jeune. Peu d'études, parents dépassés, jusqu'au matin sur la PlayStation. Vie isolée, immorale, réveil à 16h, j'entends le bruit couler, des larmes sur les joues de ma mère. Et quelle horreur, pourquoi tant de violence autour de moi? Des filles qui se noient, des filles qui se battent contre plus fort qu'elles, j'en ai des séquelles. Parce que plus jeune, peut-être que j'ai laissé faire des trucs que je validais pas. J'en tapais un faible pour un téléphone et rentrais chez moi comme si rien n'était. Où j'habitais, on n'était pas cons, mais c'était mieux si t'étais pas gay. Parce que malgré notre éducation, on aurait pu te vanner. Et si je l'ai fait aujourd'hui, je regrette. Plus spirituel que scientifique, plus littéraire que mathématique. C'est pas à l'école que j'ai appris à vivre. Je me suis identifié, mais pas dans les livres. Ça fait trop longtemps que j'entends ces conneries, des concours de beat, alcool, drogue et sexe, la même vie que Bukowski. Mais sans le talent, ça marche beaucoup moins. On croit pas en nous et personne n'y croit. Si tu t'en la joues, tu finis sur une croix. Donc on est violent, violent dans nos monos, violent dans nos sacs, violence dans nos yeux. Tu rentres pas en boîte, mauvaise couleur ou mauvaise tenue. C'est pas nos codes et je suis bien déçu.
qu'on ait tous besoin de signes d'appartenance, que ce soit ta chemise, ta paire de requins, un signe religieux, ça nous regarde pas. Je m'en fous d'où tu viens, la foi c'est en soi. Le truc c'est que tu nous divises tous, ils nous calculent pas. On n'est pas là quand ils votent leur loi, juste on les subit et on les acquiesce. Alors ferme ta gueule et plus vite la caisse. J'aurais pu dire ça, mais on m'a sauvé. Merci papa, merci maman, merci à mon frère, même si je suis plus grand. Trop souvent déçu, je donne pas ma confiance. Mon cercle se referme, entouré des vrais autour de moi. Pas de mec sans principe ni de superstar, non. Entouré des vrais autour de moi, pas de mec sans principe ni de superstar, non. Plus spirituel que scientifique, plus littéraire que mathématique. C'est pas à l'école, j'ai appris à vivre, je me suis identifié mais pas dans les livres. Plus spirituel que scientifique, plus littéraire que mathématique. C'est pas à l'école, j'ai appris à vivre, je me suis identifié mais pas dans les livres. La sortie de l'album dans les bacs, un jour de novembre 2016, avait été à la hauteur des espoirs, annoncé à grands coups d'affiches 4x3 dans les couloirs du Métropolitain. Le public était unanime, les critiques de la presse également. La carrière de G décollait pour de bon. On citait ses textes comme on cite ceux d'un écrivain dans les grandes émissions. Lui, l'enfant qui avait arrêté les études à l'âge de 14 ans. Avec le succès, la vie de G était devenue plus confortable. Il avait plaqué son toit à ras du 18e pour acheter un appartement assez spacieux. Ça tournait dans les radios, sur les radios, la télévision, les réseaux sociaux, et je tournais aussi. Aux quatre camps de la France. Pendant les balances, à l'écart, sur le côté de la Seine, j'observais G. Lorsqu'il se trompait, nos regards se croisaient brièvement. Et nous échangeons un sourire complice. Quand je sortais prendre l'air, je sentais les regards se poser sur moi. J'entendais des trucs du genre « Regardez, regardez, il y a le frère de G. » Quelques années auparavant, nous vivions au 43, boulevard Gaston-Ramon, dans un foyer social d'une ville moyenne. Des larmes invisibles et silencieuses au bord des yeux. Aujourd'hui, j'étais là, enveloppé du bruit qui s'échappait de la salle. Visible pour la mauvaise raison, ou visible pour l'unique raison. Je n'étais que l'extension de mon frère célèbre, une ombre à côté du soleil. Ouais, c'était moi, une zone sombre de la tête aux pieds. Je n'existais que dans l'ombre de G. J'étais une ombre, et je la maudissais. Je voulais que le soleil me frappe au visage, éclaire ma vie ordinaire de tous ses rayons. J'étais un bon gars, assez en tout cas pour fourguer 1000 flyers par jour sur la place de la République. Assez pour vivre ou survivre dans la ville lumière. Je rêvais de gloire, mais j'étais là, dans le métro bondé, pour aller au charbon. Du studio de ma grand-mère jusqu'à République, 45 minutes, aller-retour, 1h30 foutu dans ma vie. Mon regard perdu au milieu de dizaines d'autres. À chaque station, je profitais de l'ouverture des portes pour respirer autre chose que l'acidité de la sueur ou le déodorant bon marché. Les mains accrochées aux barres visqueuses, les corps inconnus se collaient les uns aux autres, attendant leur délivrance. Un fantôme sur une place historique. L'ombre d'une société à toute vitesse. Ombre invisible parmi les cadres, vêtue de costume, chemise blanche. Ombre invisible parmi les étrangères, travailleurs immigrés, étudiants, touristes. Ombre invisible parmi les jeunes de mon âge. Ombre invisible parmi les femmes trentenaires, belles et élancées, écouteurs vissés aux oreilles, sans entendre un seul mot qui sortait de ma bouche. À quoi bon ? Elles savaient d'instinct à mes lèvres bougeant dans le vide que je n'avais rien d'intéressant à leur dire. La place de la République s'étalait devant moi dans un balai incessant.
une chorégraphie urbaine qui ne connaissait jamais de répit. Les piétons, les grondements des voitures, les sonnettes de vélo. Étranger à cette danse, mon corps d'athlète était devenu une putain de statue qu'on ne regarde pas. L'ennui étouffait l'âme, mes jambes rompues par l'inaction, mes baskets usées par les incessants allers-retours entre les inconnus. Mes mains répétaient le même geste, ma bouche prononçait la même phrase sans fin. Alors, afin de briser la monotonie, j'ai acheté un carnet et j'écrivais. Chaque jour, j'écrivais. J'écrivais le berceau, l'enfant apprenant à marcher, à parler, à gagner ou à perdre, déjà devenu vieux. J'écrivais les vélos, les livreurs Uber Eats, leur cul sur la selle, les mollets dessinés par les kilomètres de course contre la montre. J'écrivais le tatouage, se débardant du débardant d'une blonde patine, moitié belle, moitié camée, complètement à l'ouest. J'écrivais le pari cosmopolite, sa lumière, son indifférence, son rythme effréné, son overbooking. J'écrivais le ballon, les petites jambes dans un survêt à courir, comme on court les yeux ouverts après un rêve. J'écrivais la famille, la mère à peu près comme ci, le père à peu près comme ça, les gosses autrement et la vie qui sépare. J'écrivais les rides, qui racontent des histoires capables de faire naître une larme ou un sourire. J'écrivais mes mensonges, ouais. J'écrivais mes mensonges et je nous écrivais. Je croisais souvent le même homme, près du lion en bronze, sensiblement à la même heure. Je le reconnaissais à sa mèche bien rangée sur le côté et à son fort parfum ambré. Mon frère était en tournée. J'étais sur la place, désemparé. Un inconnu m'avait tenu compagnie. Peut-être avais-je espéré que ce serait mon frère qui s'intéressera à moi, à ma vie, à mes hurlements la gueule fermée. Les jours s'écoulaient et je pensais beaucoup à cette discussion avec l'homme à la mèche de côté. Je n'avais toujours fait lire à personne ce que j'écrivais. Moins tu te partages, plus tu te protèges. C'est ainsi que j'ai grandi. La ligne 10, puis la ligne 8. La routine s'abattait sur moi et pesait lourdement sur mes épaules, à l'appuyer fort. Je ressentais des douleurs dans le bas du dos, comme tous ces gens à côté de moi. Les traits tirés, nous étions épuisés. Mon frère, il fallait bien que je lui parle de cette rencontre, sans pour autant lui exposer mes doutes. Qu'en aurait-il pensé ? Moi, quand je ne connais pas l'intention de la personne, je ne lui donne pas mon temps, avait-il lâché un jour. Pourtant, je crois que, pour une fois, j'ai sagement choisi de ne pas suivre son conseil. Je découvrais un nouveau monde, Camille et les autres, les coussins plus moelleux, les bistrots qui sentent bon. Et d'ailleurs, là-bas, ils n'appellent pas ça des bistrots. Les hôtels chics, une femme blonde qui attend son mari, les serveurs et leur courtoisie excessive. Je découvrais les mains plus douces, les peaux plus soignées, les postures droites et les jambes bien croisées, les faux sourires et les sourires polis. Je découvrais des parfums inconnus et des odeurs magnifiques, le cuir rare des sacs à main, les bijoux brillants, or et diamants, les restaurants silencieux, personne ne faisait de bruit, et je trouvais ça agréable. Le silence était un luxe qui s'achetait, il trouvait refuge dans les établissements étoilés, les cabines de première classe, les véhicules conduits par des chauffeurs privés. Là-bas, rien d'ordinaire, bien sûr j'ai aimé ça. Je l'ai désiré comme on désire une femme dont on tombe amoureux. Pourtant, à leurs yeux, je n'étais qu'un étranger méprisable. Un intrus. Avec mes baskets usées par la rue, je contrastais. La manière dont je posais ma serviette sur mes genoux trahissait mon ignorance des conventions. J'en voulais à mon passé. S'ils avaient su,
S'ils savaient que je venais d'un squat, ces gens m'auraient-ils seulement adressé la parole ? Le mensonge, encore. Après tout, le bruit était pour les pauvres. Certaines personnes me percevaient sûrement comme un opportuniste, un manipulateur, voire comme une pute vendant son corps. Je lisais souvent des choses comme ça dans leurs yeux. Parfois, je voulais être comme eux. Parfois, je voulais bouffer avec les mains juste pour voir leur gueule, m'empiffrer pour leur filer raison. Camille, lui, était différent. Il ne venait pas de ce monde, mais avait fini par s'y faire accepter grâce à son travail. Il me répétait sans arrêt qu'il préférait l'humain. Que l'important n'était pas ce que l'on faisait, mais qui l'on était. Alors petit à petit, je m'ouvrais à lui. Je le regardais droit dans les yeux, le laissant pénétrer mes pupilles. C'est là que se trouve la vérité. N'allez pas chercher plus loin, juste dans les yeux. Je lui faisais confiance. C'était peut-être la première fois de ma vie que je faisais confiance à quelqu'un. Et ça faisait du bien. De lâcher prise, d'arrêter de se protéger, le temps d'une soirée, d'un café, d'un trajet. De ne plus être une posture. Dans la ville moyenne, les larmes restaient à l'intérieur. Dans la ville moyenne, il fallait savoir se défendre avec les mains, le coude, le front. Peu importe si cela entraînait des éclaboussures de sang. Chez Camille, je changeais. Tous les jours, je changeais. Avant de partir, j'ai dit au revoir à mes potes. À force de nos amis, Camille m'avait accueilli. Puis après, il voulait baiser ma peau, en connaître la douceur, voulait respirer au plus près mon odeur, sentir la chaleur de mes mains sur son corps. Il était tombé amoureux. Il voulait que je l'embrasse, pleine bouche. Je le voyais et je ne pouvais rien faire pour le consoler. Je le voyais brûler d'envie pour moi, mais j'étais incapable de lui offrir quoi que ce soit, ni mon corps, ni mes doigts, ni même un regard sensuel. Et tous les jours, ça lui claquait la gueule. Pour ne plus voir ça, j'ai décidé de partir. Lorsque je me suis extirpé du lit, j'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine, propre et bien rangé comme d'habitude. L'écriture était élégante. Anatole. N'oublie jamais que je crois en toi autant que je t'aime. Bonne continuation. Je suis parti. Puis j'ai acheté un immense bouquet de roses, les fleurs, un langage que je maîtrise peu, mais dont on m'a toujours murmuré l'élégance. Les fleurs dans la main, ma valise dans l'autre, je m'apprêtais à le rejoindre. La sonnerie avait fait vibrer ma poche. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Dans ces moments-là, on sent toujours les choses arriver. Une voix grave, jamais encore entendue. Je l'imaginais grand et imposant, à l'autre bout du fil. C'était probablement un uniforme, une voix d'autorité qui appelait en cas d'urgence. Et cette urgence, c'était à moi qu'elle devait arriver. Le coup de fil interminable s'est finalement terminé. Et soudain, le monde était figé dans une immobilité oppressante, tout comme Camille. J'imaginais ses baskets pendant dans le vide, ses bras ballants le long de son corps, sa peau autrefois si douce devenue froide. Après les larmes, la culpabilité m'avait gagné. Peut-être aurais-je dû essayer avec Camille, peut-être qu'il serait encore parmi nous, parmi les vivants, parmi les hommes qui se lèvent le matin et sentent l'air frais sur leurs joues. Un salarié de Camille, Théo, venait d'une famille aisée dans le sud de la France. Il voyait en Camille le père qu'il n'avait jamais eu. Il avait mal vécu notre relation et s'était senti délaissé.
C'est mieux pour toi de retourner dans ton milieu, Anatole. Tu ne seras jamais des nôtres. J'étais habité par l'envie de le frapper. Frapper sa petite gueule d'enfant gâté. La frapper de toutes mes désillusions. Frapper, frapper, frapper. Je sentais la force jaillir dans mes poings pour qu'il s'écrase sur sa bouche, sa mâchoire, son nez, ses joues, son arcade. Frapper, frapper, frapper. Je rêvais de lumière. J'étais là. Je voulais ses dents en enclenchant ma phalange ensanglantée. Pauvre Théo. Pauvre merde. Mes mains étaient restées sages et douces. Mais en moi, elles étaient pleines de sang. De toutes les couleurs sont mes sentiments. Je passe du noir au blanc, du bleu azur au rouge sang. Mon gars pousse un fauteuil roulant, rend heureux sa sœur qui a pas eu sa chance. Ça renforce les liens comme à l'époque, où avec mon frère je partageais ma chambre. Il y aura toujours quelqu'un pour te faire une critique. Désolé si lui aussi cette visite, or peint le destin couleur or. Avec autant de passion que d'acrylique, l'argent c'est juste un moyen. Parce que mes rêves n'ont pas de prix, fou, on était fiers dans la nuit. Quand on n'avait rien, même pas la lune avec nous. On comptait tout en grec à 5 euros, tout le monde sauf nous avait plein de défauts. Appartement sans jardin remonte, quand ton père t'appelle et tu sens que c'est chaud. Beaucoup d'amis sont perdus mais c'est relatif. On peut vite se refaire, combien même c'est fini, lycée, bar de quartier, billard, sirop de grenadine. De toutes les couleurs sont mes sentiments. Quand je suis avec elle, la vie est enivrante. Je suis qu'un flocon neige dans une ville immense. Et j'hésite encore. Sentiments de toutes les couleurs. Toutes les nuits, je suis dans mes souvenirs. Je rentrais sous la pluie sur mon scooter. Je me suis construit dans la douleur. Rouge, blanc, violet, vert. Le cœur est frité comme un terre. Solidaire sous la verre. Rouge, blanc, violet, vert. De toutes les couleurs sont mes sentiments. À l'inverse de nos halls et nos bâtiments. Si le décor est terne, moi je suis bien vivant. Ouais, je t'ai dit que c'est fini, mais sois pas triste, non. Je me considère pas comme un gosse de la patrie. Suffit d'un appel, je veux partir. Je te l'ai déjà dit, ouais, je suis bien vivant. Le cœur qui bat plus fort que la batterie. Je suis un pur produit de mon environnement. Pas de potes qui mènent leur vie en traînant de la patte. On est déposé, contrôlant, rigolant. Jusqu'aux insultes racistes en raison de la bac. Avance aux 80 où tout est possible tant que tu payes ton appart. Facile de perdre le nord quand la weed c'est de la frappe. Quand les impôts te rattrapent, t'enchaînes les coups de sang et les sauts d'humeur. Bouffe solo devant les conneries d'un youtubeur. Souvent jugé par les autres, même les plus débiles se prennent pour des procureurs. De toutes les couleurs sont mes sentiments. Quand je suis avec elle, la vie est enivrante. Je suis qu'un flocon neige dans une ville immense. Et j'hésite encore. Sentiments de toutes les couleurs. Toutes les nuits, je suis dans mes souvenirs. Je rentrais sous la pluie sur mon scooter. Je me suis construit dans la douleur. Rouge, blanc, violet, vert. Le cœur est frité comme un terre. Le cœur est frité comme un terre. Solitaire sous la verre. Rouge, blanc, violet, vert. Je vivais maintenant chez mon frère, sur son canapé en cuir. C'était une autre vie que celle que j'avais connue avec Camille. De lui, ne me restait qu'une chaîne en or autour du cou. Et cette chaîne pendue à mon cou, selon les jours, je l'adorais ou je la maudissais. Alors que j'étais assis sur le canapé de mon frère, l'inspiration m'est venue naturellement. Il était question de fraternité. Peut-être même de la personne qui m'avait sauvé la vie sans le savoir. Grâce à lui, je pouvais encore rêver.
Son succès projetait une ombre sur tout ce que j'étais, mais c'était précisément cette ombre qui me poussait toujours plus loin. La nuit s'écoulait ainsi, accouchée sur le papier notre histoire, si différente et pourtant si semblable. Les nuits étaient devenues mon royaume d'écriture. Chaque phrase prenait forme, chaque mot prenait vie. Mon père, jonglant avec ses 10 boulots, trouvait encore le temps de veiller tard pour moi, le petit dernier de la famille. Je crois que c'était sa façon à lui de me montrer son amour. Il corrigeait les fautes et découvrait mon histoire en même temps. Ma mère aussi prenait le temps de lire les écrits nés du canapé de mon frère. En véritable déesse des émotions, elle m'incitait à plonger encore plus profondément dans l'océan des sentiments. C'est ainsi que ce bouquin a vu le jour. J'étais issu d'une famille d'artistes, brisée par le chaos d'un divorce, mais réunie à jamais dans ses pages. Réunie à jamais dans ses pages. Tous les ans comme à Liverpool, je suis fier de mes actions quand ma mère approuve. Moi qui t'en désobéis, je sais que chaque année elle me redécouvre. Pas de souvenirs dans le journal intime, tout dans la tête, y'a rien de magique. Ici faut faire 2 fois plus d'efforts comme un athlète paralympique. Je crois pas au hasard mais au timing. Je crois en Dieu, je crois en toi, je crois en l'amour, je crois en moi, à mon libre arbitre. AirPod 2h du matin, pareil sous les semelles. Je rejoins mes potes, on parle de monter haut, de se faire la courte échelle et bien de finir au top. Enfants sauvages, nous étions cœur. Des enfants sauvages, nous étions. T'es là, tu vis comme si on était tous au complet. Comme si rien n'avait changé, alors rien n'a changé. Parce qu'on a toujours faim du soleil qu'on veut, toujours des voyages, qu'on fraude le métro comme des enfants sauvages. J'entends le vent entrecouper nos voix, quand on chantait sur nos vélos, à fond dans nos rêves, difficile de prendre du recul, comme la crosse sur mon épaule, des cartouches sur le sol, des oiseaux qui s'envolent. Drôle de rapport avec la violence, fasciné par les armes, la nature gagnera, toujours sur notre arrogance. Enfants sauvages, nous étions cœur. Des enfants sauvages, nous étions. Torse nu dans la ville en plein été, accrochés à nos rêves de mômes, à l'idée de tout faire péter. Du sang sur nous comme sur le ciment ukrainien. Or mets tout après-demain. Parle pas du style baudelairien. Non, là c'est la vraie vie, celle qui mérite d'être vécue, avec ses excès et ses garde-fous. Loin de nous l'idée d'être comme les autres ou de finir à genoux, c'est nos codes qu'on bafoue. Pour ça qu'il y a le feu en bas de chez moi, j'aimerais moins de venin dans mon corps et plus de sagesse comme Athéna. Enfants sauvages, nous étions cœur. Les enfants sauvages, nous étions cœur. Enfants sauvages, nous étions cœur. Les enfants sauvages, nous étions cœur. Ces mots exprimaient un je t'aime sincère, sans détour ni hésitation. Il disait merci, sans la moindre gêne. Chaque mot est exposé à cœur ouvert, sans dissimulation. Ce texte était ma façon de lui dire, je te laisse ici pour toujours. Mon frère avait chanté son histoire, je lui avais offert la mienne. Je lui avais offert la mienne. Enfant sauvage, les enfants sauvages, les enfants sauvages.
ton cœur.